On va pas la lever de 24, s'il vous plaît.
fort et désignable. Le débat s'éloigne un peu. Soyez plus rigoureux dans l'écoute de votre partenaire décisionnaire. On voit ça. Même chose, même endroit. Thank you.
Thank you.
Attends, elle chantait des lacrins. Thank you.
prima scadenza e l'assessore alle condizioni popolari del comune di Firenze della raglianza del nostro onore di le choix du concert n'est pas un hasard. Nous célébrons en effet le 500e anniversaire du Codex Annuscus Musical, très riche, qui est parti de Florence et qui probablement a fait le tour d'une partie de l'Europe. Il gesto di questo concerto non viene a caso. L'origine è un codice che è stato scritto in 1518 con pezzi di musica che hanno fatto il giro di tutta l'Europa. Ce manuscrit a donc été offert par un pacte Médicis à la famille de François Ier. Vous entendrez des éloges de François Ier dans une des pièces. Le choix qui a été fait des 53 motets est un choix éminemment politique à la louange de la famille de France. Il scelto di questi pezzi è rispondono a un regalo fatto da un papa, il papa Leo di Medici, al re Francesco di Francia. E dunque questi paesi sono lì per onorare il re di Francia. L'ensemble de ces pièces n'est pas religieuse. Plusieurs sont des pièces profanes qui célèbrent une personnalité politique. Un grand musicien comme Bocquier. Mais la particularité de toutes ces musiques, c'est qu'elles sont de premier choix et que cela représente évidemment la meilleure musique qui était accessible à l'époque. Storico della Repubblica Fiorentina, appunto i musici
quindi grazie a loro qua, ma grazie anche all'associazione di preferenza. Allora, il presidente del FNAF Francese. Ah, bon, bonjour tout le monde. On est très heureux, comme municipalité de Florence, de vous avoir ici, parce que c'est une façon naturelle de souligner la forte connexion qu'il y a entre la ville de Florence et le pays de France. Bien sûr, la ville de Paris, mais pas seulement la ville de Paris, aussi la France en général. Et c'est une connexion que ça vient des Limoux. Ça fait longtemps qu'il y a cette connexion, bien sûr, par la famille Médici, mais pas seulement. Et on voit que cette connexion, elle est toujours présente, elle est toujours ici, même dans cet bâtiment, dans cette race avec beaucoup de saints, beaucoup. Si après le concert, vous voulez faire un petit tour pour le palais, vous le voyez. Il y a par exemple la Saint-Iris, c'est tout à fait français comme symbologie. Et bon, on est très heureux que cette connexion, on la célèbre aujourd'hui, on la célèbre par la forme d'art peut-être la plus naturelle qu'il y a, la musique, avec une amitié qui est très forte entre l'orchestre, comme on dit, et le groupe de musiciens. Musique du côté de la République Florentine, qui sont partie importante de notre tradition. C'est une tradition toujours vivante, parce que ça vit jour par jour, jour après jour, tous les jours de l'année, tout le monde. Avec beaucoup de manifestations, beaucoup de répressions historiques, et avec une très très forte connexion avec la ville même, avec les citoyens qui vivent la ville. Bien sûr, le Florentin, mais pas seulement le Florentin. Et alors, bienvenue, et profitez-vous de votre concert. Merci pour être ici, bien sûr, avant tout à vous qui êtes là. Et merci aussi aux musiciens de l'Hôtel de la République Florentine qui est chargé pour les services qu'ils donnent à la ville de Florence, comme je dis avant, tous les jours de l'année, toutes les semaines de l'année, tous les mois de l'année, et pas seulement dans les manifestations les plus importantes de notre calendrier, qui sont bien sûr les Catch Stock et les Sables. Alors, profitez-vous et bonne journée et bon soir pour moi. Merci. Questa è una piccola stampa di un palazzo abbastanza famoso in città, se lo aprite magari la vedono, lo riconoscerete, ci siamo dentro, siamo qua in questo momento. Un piccolo dono che il Comune di Firenze fa a tutti gli ospiti graditi della città di Firenze. Ho fatto un petit peinture del Palazzo Vecchio, che non è là, giusto là, continuiamo. E questo è un petit cadeau che la municipalità dona a tutti gli ospiti che vengono a visitare per amenare le cose importanti alla vita. Grazie beaucoup.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
pour vous dire à quel point nous sommes heureux de donner ce concert ce soir dans une maison fille de notre institution mère qui est la Sorbonne, notre alma mater. Je pense d'ailleurs que nous allons probablement élire résidence dans cette maison, puisque finalement, la fille est beaucoup plus attirante que la mère. Siamo molto felici di essere oggi in questa in questo posto che avete nella Sorbonne e siamo molto felici di venire della Ramate per cantare con voi. Il tappetino si può fare. Cela dit, j'ai deux excuses à vous présenter. La première, c'est de vous parler français. Could speak English, donc c'est un aussi au sol. Et la deuxième, c'est une modification du programme. Toujours. Dans les colloques, on change toujours le programme. La première chose, c'est que nous ne chanterons pas la pièce de Dufay, Loubert, Rotterdam-Torres. Mais nous compenserons ce manque par une pièce supplémentaire pour des instruments à vent, des hanches, qui seront interprétés après au musique à moins de traducteur. Dobbiamo chiedere scusi perché il programma è un po' cambiato, non canteremo il pezzo di Spike conosciuto in versione dell'uomo, invece dopo omicidio di miei sentirete delle cose con gli strumenti diversi della programmazione. Dernier remarque, l'ensemble de ce programme a été conçu pour compléter le concert que nous avons donné ce matin, qui était essentiellement, exclusivement centré sur le contexte Médicis de 518. Tout ce que vous allez entendre, tout sauf la pièce pour instrument à vent, aurait pu être chanté, joué dans les rues de Florence autour de 1518. Donc, oui, le programme non est neanche di quello del codice Médicis, da 666 della Lorenziana, perché l'abbiamo cantata questa opera stamattina in Palazzo Vecchio, alcuni pezzi che cantiamo, ma cantiamo delle cose attorno di questo, cioè dei pezzi che sono stati cantati a Firenze verso 1500 di scena. Thank you.
Bon, j'explique. Vous allez entendre une partition qui, à la bibliothèque médicéenne, est écrite à quatre voix. Quatre voix. Et vous allez en entendre huit. Traduisez. È una partitura che è stata scritta nel 1666 alla Biblioteca Valenciana e è lì alla biblioteca è scritta a quattro voci, invece qui sarà otto voci. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite en canon. Perché è scritta come un canone. Quatre voix. Plus un cantus firmus. Très
Thank you.
mes amis ont interprété sur deux bassanello et une basse de Puccia était un hommage à une personne qui n'est pas là ce soir pour des raisons hélas désagréables. C'est le facteur de ces instruments, Olivier Coltet, à qui nous rendions hommage par cette pièce. Il a été empêché de venir par un problème mécanique, une avarie mécanique, sans ça il serait là ce soir et je ne dirai pas de bien de lui. Sonata su due bassanelli è una tucciana, è stata suonata in omaggio a un amico nostro che doveva essere con noi questa sera, ma che non ha potuto venire perché un incidente sulla strada ha fatto che la macchina è rotta. Thank you.
Merci.